Welcome to the Speak Amigo podcast. En fait, moi, je suis curieux. C'est quoi être un photographe pour commencer? Est-ce que c'est parce que, écoute, moi, je connais beaucoup de gens qui ils se prennent pour des photographes et en étant avec toi, beaucoup de gens ils vont acheter une caméra qui coûte cher puis ils pensent que ça va compenser pour être un bon photographe. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Quand même, la question, ça c'est une bonne question, c'est sûr, c'est sûr. Être photographe, je pense, opinion, disclaimer, que c'est d'avoir la passion pour l'art de la photo. Vu que, même que c'est commercial ou art ou whatever, avec un iPhone ou avec une caméra à 1000$, 10 000$, c'est la passion. C'est est-ce que tu veux vraiment prendre la photo parce que tu adores ça, tu aimes ça, ou est-ce que tu prends la photo pour, on va dire, impressionner tes amis, juste pour le gram, t'sais. Yo, c'est une baisse, c'est faire du com, là. Non, si c'est pas un hustle, t'es pas un photographe. Tu aimes prendre les photos, mais t'es pas un photographe. Je pense que pour être photographe, tu dois avoir la passion pour la photo. Pour la photo. Et la passion pour la photo, c'est vraiment. Parce que moi, comme quand tu dis ça, comment je vois les choses, c'est vraiment il y a des gens qui aiment être dans la photo, il y a des gens qui aiment être le centre de l'attention, mais il y a des gens qui aiment être derrière la photo. Et comme dans un podcast, comme dans une émission, comme dans une affaire de radio, il y a beaucoup de gens à l'extérieur qu'on ne voit pas nécessairement. Donc moi, pour moi, un photographe, c'est vraiment la personne qui aime être low-key, qui aime être derrière les choses et qui aime rencontrer une histoire. Mais on va rentrer en ça. Ben, ça, c'est une version d'une photographe, je dirais. Il y a des photographes qui prennent uniquement, en anglais, it's a self-portrait. Ils prennent uniquement des photos de eux-mêmes, en différents scénarios, en déguisement, en performance, en n'importe quoi, mais c'est toutes des photos que eux. Mais ils sont quand même des photographes. Parce qu'ils essaient de dire une histoire, ils essaient de raconter une histoire, de dire quelque chose avec leurs images. Même si c'est un déguisement, ou un tout nu, ou leurs bras, leurs pieds, leurs jambes, leur tête, whatever, ils sont quand même photographes. Mais c'est ça l'affaire aussi avec la photographie, c'est que c'est vraiment diversifié, que il y a des photos dans tout, Absolument. comme tout, des insectes. Absolument. Écoute, la photographie, on va dire, c'est comme la médecine. Tu as des docteurs, tu as des infirmières, tu as un docteur de pied, de bouche, de nez, de esthétique, de chirurgie. Il y a un docteur, c'est pas juste un docteur de ah, c'est le docteur, il peut faire tout. Il y a des docteurs qui sont spécialistes en quelque chose. C'est la même chose pour la photographe.